Et c'est le médecin de tous, c'est Fenrir, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour tester le petit Lie of Pi, donc le nouveau Dark Souls-like sorti il y a peu. Donc on va aller tester ça tout de suite. Donc déjà, les gars, n'hésitez pas bien à liker, partager, vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. On a beaucoup de contenus différents, de React au Let's Play, passant par les best-of de stream. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles têtes, discuter avec vous en espace commentaire. N'hésitez pas à rejoindre bien le Discord de la team. On essaie de monter une team d'e-sport, donc amateur, qui est en train de monter petit à petit. Normalement, ça va commencer à bouger beaucoup plus pour début d'année. Là, malheureusement, autant joueur que coach, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, voilà, donc n'hésitez pas bien dans l'espace commentaire à liker, à rejoindre. Évidemment, on discute avec tout le monde, truc est cool si vous voulez venir. En plus, pour les lives. C'est le serveur où je vais pour discuter, pour partager avec vous, pour pouvoir faire des vocaux avec vous. Donc, c'est le Discord, en tout cas, à rejoindre. Et let's go, on va voir. On dirait un cœur, non? Ouais, on dirait un petit cœur en métal. Nouvelle partie. C'est un cœur. Certains ennemis peuvent devenir rouges et utiliser des attaques puissantes appelées attaques furieuses. Vous ne pouvez ni les bloquer ni les parades. Dans l'honneur d'un grand écrivain, Carlo Collodi. D'ailleurs, c'est Carlo Collodi qui a écrit Pinocchio. Pinocchio pantin de mauvais bois de 1881-1882. Donc c'était pas tout jeune quand même. Alors si je m'appelle la flèche du bas, c'est pour le réaiguiser les lames. La flèche du haut, ça doit être les soins. Le petit coup de poing en quête. Jiminy Cricket. Voilà, et là on a les armes. Donc de mémoire, je crois que j'avais pris le fleuret dans la démo. Voix du bâtard. Allez, d'accord, mais ils se ressemblent tous. L'équilibre. On va chercher l'équilibre pour l'instant, ce sera plus simple. Mais c'est ça. Et like qui veut dire mensonge. Donc c'est dire le mensonge de Pinocchio. Alors garde L. Mais ça va en gros, il n'y a pas beaucoup non plus de sexe supplémentaire. Ok. Y a pas non plus beaucoup de touches à gauche. Donc je peux quand même. En dehors du mouvement. En dehors des mouvements, j'ai pas grand chose à gérer avec la main gauche. Mouvement et parade. Donc ça devrait le faire. Malgré que j'ai une main en moins. Venu dans la garde gratte. Roi d'Ancy. C'est ça. Augmentation du nombre maximum. Oula. Utilisez un accumulateur de pulsation pour restaurer vos PV. Vous ne pouvez utiliser l'accumulateur de pulsation qu'un certain nombre de fois. Une fois cette limite atteinte, l'accumulateur sera déchargé. Attaquer des ennemis, l'accumulateur est déchargé pour recharger progressivement. Et ça, je sais. Non, ça, c'est les. Je crois que c'est les encoches pour les techniques. Là, je me gourde touche par contre.
Oh, en fait, je suis pas si léger que ça, hein, je suis en train de me dire. Équipement. Qu'est-ce qui peut m'alourdir? C'est peut-être le bras. Il y a un poids ou pas? Oui, il y a un poids. Ah, pourtant, je suis qu'à 47%, mais j'ai l'impression qu'il est incroyablement lent, mon perso. Que le mode immédiat du personnage lors d'utilisation, le pari spécial nana meurt après utilisation. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas écrit si on perd les XP ou pas. Mais théoriquement, sur le papier, oui. Ergo. Ah oui, ergo, c'est de la barre d'XP. Il manque les clés. En fait, faut que j'arrive à maintenir à cette touche-là pour la parade. Ce qui est un petit peu plus chiant. Donc si je meurs, malheureusement, on fait ce qu'on peut, les gars. Après avoir fait Steel Rising, qui se passe pendant la Révolution française, c'est vrai que là, il y a une petite approche qui ressemble, je trouve. Niveau, je sais pas si on est dans une gare encore, si on est à Londres, etc., etc. Mais on est quand même sur un truc graphique assez proche. Faut regarder qui c'est les devs, voir si c'est les mêmes. Ah, j'ai raté mon truc. Si c'est la même approche ou pas. Ah sinon j'en ai dit, ça soigne quand même. Donc c'est-à-dire que les soins peuvent être rechargés en frappant. Si vous trouvez cette lettre, sortez de la gare et fuyez, et surtout restez loin de la salle d'attente. J'ai vu un énorme marionnette battre à mort des gens. J'ai verrouillé la porte, mais j'ignore si cela va fonctionner. Au moins, cela devrait empêcher les gens d'entrer par hasard. Je vais bientôt mourir. Et je veux vous aider. Même si je peux pas faire grand chose, survivez, je vous en prie, qui que vous soyez. Donc on sait que potentiellement un boss se balade dans le coin. Donc la salle d'attente, c'est peut-être par là. Donc c'est le truc qui est là-bas. Ça va, c'est ce qu'on avait déjà vu dans le. Ah, c'est un coup simple. C'est ce qu'on avait déjà vu dans le. Évidemment, le jeu est disponible sur le Game Pass, donc c'est vrai que pour ceux qui ont envie de tester un jeu entre guillemets gratuit, gratuitement, sans avoir besoin de l'acheter complet, ben voilà. Profitez. Moi, si quand tu mets des Dark Souls-like dans le Game Pass, moi, ça me refait, hein. Il y a porte, échelle partout, donc crate. Si vous, s'ils sont verrouillés, vous pouvez déverrouiller les objets en descendant. Et donc là, je peux peut-être le déverrouiller par derrière. Ouais. Voilà. Là, c'est là où c'est un cheveu plus chaud. Donc là, c'est le coup de poing. Coup de grâce, niveau en face, stupéfixe. Ok, donc quand il est en mode hyper chargé, faut que je lui fasse une attaque chargée complète. C'est quand même. Donc là, on m'a débloqué donc un nouveau truc. RJ Cola.
3, taux de réduction des dégâts physiques. Taux de réduction des dégâts physiques. Taux de réduction des dégâts d'entaille. Ah, il fait, c'est que de la défense. Là, c'est quoi là? Et par contre, il pèse plus lourd. Ou il est plus léger. Non, plus lourd. Réduction des dégâts physiques. Oui, par contre, je passe à 11. En faisant avec celui-là qui passe. Non, j'ai qu'une arme, donc là-dessus, pas trop changer. Voilà, première clé. On a checké la première zone. Ouais, c'est plutôt pour les gros boss que ça va être chaud pour moi. Par contre, c'est vrai qu'il est incroyablement lent en fait. Je n'étais pas sûr qu'il était comme ça dans le dernier. Quand j'ai fait la démo. Stargazer. Tenez un Stargazer pour restaurer la totalité des PV de l'endurance. Vous ressuscitez à cet endroit après votre mort. Vous voyez que le processus ressuscite également vos ennemis et le personnage. Ok. Ok, je peux monter dès le niveau. Donc, point de vie, endurance. Légion, ça doit être mon coup de poing, je pense. Avec la gestion du poids. Il va falloir que je monte ça un peu. Mobilité, donc c'est votre vitesse. Ou c'est juste l'attaque? Ça doit être la dextérité, je pense. Ouais, avec les techniques. Progression. Qu'est-ce qu'il y a? Progression. Ça augmente la résistance et la légion. Mais vu que je sais pas encore ce que c'est la légion. Je vais monter les deux, tiens. Et je montrerai après l'endu. Est-ce que. Où est-ce qu'il y a écrit? Et voilà. Agoroki 788. Ouais, donc dans un peu moins de 100 points. Donc là, j'ai quoi? Catalyseur fable. Charge de fable. Catalyseur foqué, recharge rapidement votre fable. Ok, les dentelés. Rouage assez répandu. Peut être jeté pour détourner l'attention. Ah, c'est les clans des pièces. C'est l'équivalent des pièces. Je sais pas si l'inventaire va vraiment changer quelque chose sur le poids de notre personnage ou pas. Ça a rechargé mes seringues en tout cas, ça c'est cool. Donc un petit morceau de journal sur les expositions qu'il y avait à l'époque.
Donc là, c'est bon. Il y a encore un mec là. Donc il y aura de l'autre côté. Non, ça donne rien du tout. Bon, le combo de coups dans le dos est vraiment joli, ça fait un petit effet de peinture qui est assez sympa je trouve. Par contre on perd quand même pas mal de points de vie par parade. Donc faut quand même peut-être qu'on gère plus les esquives que les parades déjà. Donc on sait qu'il faudra partir à droite pour un item. C'est stylé quand même, quand ton perso il découpe le robot en deux, t'as la partie du haut qui s'envole, c'est stylé quand même. Voilà, on avait dit, petit item à droite, il est là. Outil de réparation d'urgence de Vinny. Donc, un télésor de Fabien, on l'a vu. Outil de réparation d'urgence. Outil de réparation d'urgence fabriqué par Vinny. Resto, instantanément la durabilité de l'arme. Ok. Thermite, donc ça, ça doit être une grenade. Ça, c'est les soins. Les soins, l'XP, ça, on va le garder vraiment max. On garde un max à mon avis, de toute façon avant d'attaquer le boss qu'on connaît déjà dans la démo, je vais surtout je pense refaire 2-3 fois la zone pour récupérer un maximum d'XP. Et m'entraîner surtout au mouvement avec mon plâtre.
Voilà le petit raccourci. I didn't think that you didn't hear. You ought to buy some. Out here alone. Donc ils vont quoi? Ils vont la longue grande épée, la rapière. Tac 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 tac. Ça c'est que j'ai, je crois. Ça peut être cool. Et ça, ajouter un effet électrique sur l'arme. Niveau poids, je suis à 59%, donc là, je devrais pouvoir quand même monter un level. Level voire 2, c'était 700, donc je vais peut-être monter 2 levels. Hein? Non, un seul. Et ben, je vais monter un point de ça. Regain de garde. Ok. Je vais monter un point de ça. Le prochain, c'est. Je vais monter peut-être de 2 crans. L'endurance, non, peut-être celui-là. Je vais monter à 10 en fait, les là et là, je pense. Parce que là, pour le poids, comme ça je vais redescendre un peu le poids, et là pour l'endurance. Je pense qu'avant d'attaquer le boss, on va faire ça. Parce que le boss de mémoire, il est là, donc ouais. Et bah les gars, on va faire une petite pause là, pour cet épisode. On va essayer de faire l'épisode un peu plus petit, vu que j'ai moins de temps pour stream. Enregistré avec le petit qui est à côté, donc on va couper là. Moi je vais refaire comme je vous ai dit 2-3 fois la zone pour voir un peu ce que ça donne et surtout m'entraîner avec les mouvements, parce que c'est pas tout ça, mais ça pique un peu des doigts quoi. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine les gars, tchou le camp. Surtout partager, liker et ouvrir.